Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de renforcer vos abdos en 5 minutes par jour. Et nous voilà couchés sur le dos avec les bras le long du tapis, mains bien à plat, les épaules basses. Et vous allez doucement tendre les jambes à la verticale. Alors le plus tendu possible, peut-être que l'arrière des cuisses est un peu raide, dans ce cas-là il faut plier un petit peu les jambes. Mais si vous pouvez, les deux jambes tendues à la verticale et pieds flex, c'est-à-dire les orteils qui regardent vers le visage, les boules des gros orteils poussées vers l'avant. Vous allez prendre une grande inspiration et en expirant, pointez les pieds, laissez descendre les jambes à 45 degrés et de l'autre côté, vous montez la tête et les épaules légèrement. En inspirant, vous remontez, pieds flex, reposez la tête et on en fait comme ça une dizaine. En expirant, vous descendez, en inspirant, vous remontez. Expirez, inspirez. Pas besoin de descendre les jambes trop bas, 45 degrés, ça suffit. Pensez bien à monter la tête et un petit peu les omoplates. Expire, on descend. Inspire, on monte. Sentez aussi le travail des muscles du cou, le sternocléido-mastoïdien. Pieds pointés, pieds flex vous permet de muscler alternativement les mollets et les muscles du tibia. Et d'étirer alternativement les muscles du tibia et les mollets. Et maintenant, vous pouvez plier les genoux. On va accrocher l'arrière de la tête en croisant les doigts. Donc là, vous avez soulagé les muscles du cou qui n'ont plus rien à faire. Vous prenez une grande inspiration, omoplate sur le sol, pieds ensemble. Expirez, pensez juste coup de genou. On serre. Et inspirez, vous reposez le bassin et la tête. Expirez, coup de genou. Inspirez. Expirez doucement. Et encore, expirez. Et à la fin de la prochaine expiration, vous allez garder coude et genoux, sauf qu'en inspirant, vous allez tendre les jambes à 45 degrés, pieds pointés, et expirez, coude genou, pieds flex, on soulève le bassin. Faire 7 ou 10. Essayez de garder toujours le dos bien à plat sur le sol. Et un dernier. Inspirez. Expirez. Posez les pieds sur le sol. Posez les mains comme au début le long du tapis et posez la tête. Prenez quelques respirations dans cette position. Puis vous allez écarter les bras sur les côtés avec paume des mains vers le haut. Et à nouveau, vous allez essayer de tendre les jambes au maximum vers le ciel, les pieds flex. Vous allez prendre une grande inspiration et en expirant, vous amenez les jambes un petit peu vers la gauche et vous regardez vers la droite. Alors cet exercice, si vous avez des problèmes de dos comme une hernie, vous faites avec jambes pliées. Et en expirant, les pieds de l'autre côté, regardez toujours du côté opposé. Donc jambes vers la droite, je regarde vers la gauche. Inspiration, je reviens au centre. Expiration, jambes vers la gauche, un petit peu plus bas peut-être, je regarde vers la droite, et inspirez, remontez. Et on continue comme ça. Et vous pouvez presque aller jusqu'à poser les pieds au sol. C'est-à-dire, vous allez amener les cuisses sur le sol, la cuisse du dessous qui va toucher le sol. Essayez de garder les deux épaules au sol. Regardez toujours côté opposé. Essayez de garder les deux pieds bien empilés l'un sur l'autre. On en fait encore deux. Cet exercice fait travailler les abdominaux obliques.
Remontez, pliez les genoux. Attrapez les genoux en croisant les doigts, faites des petits tours en massant le bas du dos. Et respirez tranquillement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avec 5 minutes par jour, vous allez développer des abdominaux en béton. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.